Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis toujours à barbe, je me suis rasé hier, donc forcément, eh ben, la barbe, comme je vous l'ai dit, il va falloir s'y habituer. Sur ce, on va commencer la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 1 et 2 de Jujutsu Kaisen. Je sais, il y a déjà 3 épisodes de sortie, il faut que je rattrape le retard, mais là, du coup, on va faire la review des 2 premiers épisodes. Ces 2 premiers épisodes de la saison 2 de Jujutsu Kaisen vont venir regrouper du chapitre 65 au chapitre 69 de Jujutsu Kaisen. En effet, c'est dans ce chapitre-là qu'on va voir du coup un retour en arrière. Pendant tout le début de la saison 1, on avait du coup l'histoire avec Itadori et ses camarades. Là, nous allons voir du coup les prémices, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la genèse de Gojo et du coup de son entourage, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour expliquer en gros ce qui se passera dans le futur. Je vais encore essayer de mettre des petites vidéos pour illustrer mes propos, mais elles seront du coup correctement mises si jamais je me fais pas strike, parce que ma dernière review a été tout simplement bloquée et j'ai pas réussi à la débloquer, donc soit elles seront en normal, soit malheureusement je devrais soit les flouter, soit mettre des planches du manga par-dessus pour éviter justement de me faire bloquer ma vidéo. Vous êtes avertis, si vous voyez cette vidéo, tant mieux pour vous en mode normal, si vous la voyez pas en mode normal, elle sera un peu modifiée, mais tant pis, au moins vous aurez mes propos. Sur ce, moins de blabla, on passe à la review du coup de ces deux épisodes. On commence donc cet épisode avec deux personnes, donc deux filles qui sont bloquées dans un endroit, dans une espèce de couloir qui a l'air d'être infini, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles avancent, à chaque fois qu'elles essayent d'aller dans un sens, elles se retrouvent toujours au même endroit, elles passent à côté du coup de certaines choses qui sont au sol, qui font qu'elles se rendent compte que elles tournent en rond, et tout simplement ça nous éclaire un peu sur le type de magie qu'il y a. Donc là on a une espèce de magie spatiale qui nous montre qu'en fait ils sont bloqués dans un lieu spécifique, et non pas un lieu en rond comme on pourrait le dire, justement vu que j'ai dit qu'on tournait en rond, on pourrait penser qu'elles tournent dans un rond comme ça, mais plus en fait dans une tranche tout droite qui fait que elles restent toujours au même endroit. Par la suite, on voit qu'elles vont essayer d'utiliser une stratégie en partant dans les deux côtés pour essayer de sortir cet endroit. Elles vont réussir à exploser l'endroit et à s'en aller. Et c'est là qu'on va découvrir du coup qui sont chacun des personnages présents à ce moment-là. Les deux personnages sont donc Iori Utaime et Mei Mei. Donc Iori est une deuxième grade en termes d'exorciste, tandis que Mei Mei est une première grade, tout simplement. Donc on va avoir cette présentation. On va avoir du coup la présentation aussi de Gojo, jeune, qui arrive, donc qui est un élève de deuxième année et qui va venir essayer d'aider ces deux personnes. Et ensuite, on va voir Geto, du coup élève de deuxième année et meilleur ami de Gojo, qui va se ramener pour aider Iori, qui se fait attaquer par tout simplement une petite bête. Et du coup, Geto, qui lui peut utiliser les fléaux et du coup détruire cette petite bête avec un autre fléau, donc c'est cette fléau avec un autre fléau, va venir sauver du coup ce qui est censé être sa professeure en du coup faisant surgir une bébête du sol. Par la suite, on nous présente du coup un dernier personnage qui est aussi une élève de deuxième année qui est du coup avec notre cher Gojo et notre cher Geto, qui est donc Iori Shoko, qui est du coup une élève de deuxième année également. Par la suite, ils vont se faire passer un savon, puisque les exorcistes sont censés placer un rideau tout autour de leurs activités pour éviter de cacher leur activité, enfin pour éviter qu'on voit justement que les fléaux existent et que les exorcistes existent, et du coup cacher leur activité auprès des humains. Ils vont se faire passer un savon, ils vont retourner en classe avec leur professeur qui est Yaga Masa. Masamichi, excusez-moi, qui est du coup un chaman, un exorciste de premier grade également, et qui va leur expliquer l'importance de mettre ses rideaux, l'importance de cacher cette activité d'exorciste auprès des humains. Et on va voir du coup un Gojo qui s'en fiche complètement, qui pour lui,
Il est en train de leur sauver la vie, donc il n'a pas besoin de cacher son activité. Et un Geto qui va être lui plus nuancé en lui disant, ben bah oui, mais c'est notre rôle de protéger les faibles, justement. Par la suite, on va voir du coup bah, Gojo et Geto qui vont un peu se prendre le chou parce que bah, y a pas le professeur, parce qu'ils ont une divergence d'opinion. Mais le professeur va arriver et du coup va leur donner leur mission, qui va être leur mission du coup pendant ces trois premiers épisodes, mais nous parlons que des deux premiers épisodes aujourd'hui, qui va être de faire d'escorter une jeune fille jusqu'à bah, l'école et un endroit spécifique pour ensuite la faire disparaître. Oui, c'est une mission un peu particulière, mais voilà la mission qu'il aurait accordée. Ils doivent donc, cette mission est très particulière parce qu'en fait, nous avons du coup un Tengen-sama qui doit assimiler ce qu'on appelle un corps céleste pour pouvoir fonctionner correctement. Et ils ont enfin trouvé le corps céleste qui peut le réguler, puisque bah, à ce moment il commence Tengen un peu se dérégler, et du coup c'est leur mission qu'il leur a accordé d'amener ce corps céleste, du coup cette fille, jusqu'à Tengen pour réguler du coup bah, toutes les installations du monde de Jujutsu. L'épisode 1 se finit du coup avec la rencontre de Gojo et de Geto, donc Geto qui va sauver in extremis du coup cette fille qu'ils doivent protéger. Et du coup, deux soldats de Q, comme on peut le voir avec leur casquette et leur Q, leur cul un peu chelou, Coucou. qui bah du coup essayaient d'attaquer, de tuer cette fille, parce que leur but, eux, c'est de tuer bah du coup cette fille pour que Tengen justement ne puisse pas évoluer et bah justement qu'atteigne bah, sa forme une fois déchaînée. On finit donc cet épisode avec bah, les chamans noirs de Q qui vont du coup attaquer Gojo et Geto, mais aussi du coup la présentation d'un personnage qui est très stylé et très important qui s'appelle Zenin. Bon, on est tous d'accord qu'on va continuer de l'appeler comme ça pour l'énerver, mais on sait que Zenin, il aime pas qu'on l'appelle comme ça, parce qu'il fait plus partie du clan. Il va se faire recruter par le culte astral qui, eux, bah, vont payer justement pour tuer cette fille, payer énormément d'exorcistes et mettre une somme faramineuse pour justement tuer cette fille. Vient commencer l'épisode 2, où on va voir Geto et Gojo qui ont défoncé facilement, bah forcément, les soldats de Q, et qui vont du coup rejoindre Rico et accompagner Rico dans sa vie quotidienne pour un peu apprendre bah, qui elle est et essayer de la protéger. On va voir du coup l'assistante de Rico qui va être là, Rico qui va essayer de vivre bah, ses derniers instants parce qu'elle sait qu'elle doit se sacrifier pour faire évoluer Tengen. Et par la suite, on va voir aussi Zenin qui va prendre son temps, bizarrement. On le voit qu'il a un job, mais qu'il va bah, aller parier au niveau des chevaux, il va aller parier à plein d'endroits. Et il va prendre son temps, il va vivre sa vie pour échafauder son plan pour justement réussir à accomplir sa mission. On va donc voir Rico, donc la fille qui doit se faire sacrifier, qui va vivre sa vie un peu bah, dans son école, qui va essayer de vivre ses derniers moments avec ses amis, ainsi de suite. Sauf que, bah, à un moment, on va voir bah, du coup Gojo qui va détecter que bah, des exorcistes du culte astral et du coup des personnes qui ont été payées vont vouloir bah, en prendre à sa vie. On va du coup avoir Geto et Gojo qui vont combattre d'autres personnes du culte astral. Je vous laisse regarder l'épisode pour avoir une beauté de ces petits, bah, du coup combats, ou lire le manga, hein, mais comme ça, il y a des avantages aux deux. On peut voir du coup aussi notre sœur Zenin qui lui justement dit qu'il envoie, qui va prendre son temps, qui va envoyer des personnes à sa place. Celui qui l'a engagé lui a dit, mais si quelqu'un réussit à accomplir la mission à ta place, est-ce que tu n'as pas peur justement qu'ils accomplissent cette mission à ta place? Et Zenin qui lui, on voit qu'il ne sous-estime pas du tout ses adversaires, et surtout Gojo Satoru qui bah, connaît, qui est connu comme un exorciste et un des exorcistes le plus puissant avec les sixième œil, et qui sait qu'il arrivera, que tant qu'il sera là, il arrivera à protéger du coup la cible et que bah il se fera pas voler son job et la prime qui lui est due. Par la suite s'ensuit du coup la fin des combats, que ce soit de Gojo et de Geto, et du coup l'assistante de bah, justement notre cher Rico a demandé à Geto d'aller raccompagner, d'aller justement aller voir Rico
et du coup Gojo pour essayer de la protéger le plus possible, sauf que à la fin de cet épisode, on a pu voir que le culte astral en a profité pour prendre du coup en otage cet assistant et avoir un peu une monnaie d'échange justement pour s'en sortir. Et c'est là que l'épisode se finit. Je vais donc donner mon avis sur cet épisode après avoir fait du coup ce court résumé. Pour moi, j'ai adoré du coup ces deux épisodes et j'adore cette partie du coup de l'œuvre. On peut voir un peu ce qui se passe dans la jeunesse de Gojo et de Geto et voir que Geto a eu une évolution dans le temps puisque on se demande justement qui est ce Geto. On peut voir du coup Gojo qui est insolent et qui est toujours insolent de nos jours, mais qui avait une insolence pure à l'époque, sans prendre en compte les conséquences. Et j'adore cette période de l'histoire. Pour ce qui est de l'animation, je trouve que les combats sont bien animés, que c'est toujours la nouvelle animation qui est utilisée, soit dans Demon Slayer, soit du coup dans Jujutsu Kaisen, et que je trouve très bien. J'adore comment ils utilisent les espèces d'aura autour d'eux. J'adore la couleur des yeux de Gojo, mais bon, ça, ça, je pense que on a déjà une bande de fanboys, fangirls surtout, de Gojo qui pourront le confirmer. J'adore la relation qu'ont les deux. Et d'ailleurs, en parlant d'animation, on a cette scène qui, je pense, a été beaucoup critiquée, ou j'en sais rien, j'avoue, j'ai pas trop traîné sur les réseaux sociaux pour pas me faire spoil, mais j'ai adoré comment ils ont animé la façon un peu lubrique, un peu drôle que se déplacent du coup Gojo et Geto, et les petites animations qui ont eu comme ça, je trouve que ça donne un petit plus à l'animé et rend du coup un réel contraste entre le manga et l'animé, ce qui rend l'animation de 1 le moment drôle, à la fois drôle et sérieux. Et je trouve que cet assemblement, surtout avec ces deux lubriques qui arrêtent pas de se marrer, c'est vraiment très bien, très drôle. Et du coup, je suis vraiment content qu'ils aient animé de cette façon-là. Il n'y a pas eu trop de rajouts. Il y a eu les seuls petits rajouts qu'on peut dire, mais c'est juste qu'ils ont changé la façon de faire et les plans un peu de caméra dans l'animation. C'est par exemple quand Geto va venir sauver du coup Rico dans l'immeuble et qui vient à l'intérieur de l'immeuble et qui va sortir. D'ailleurs, à ce moment-là, le suivi de caméra et tout, c'était digne un peu d'un film. On avait l'impression d'être dans un film, mais c'était un animé. On voit bien que c'est un animé et que c'est animé avec des dessins et tout, mais je trouve que les plans de caméra et tout sont hyper bien utilisés, avec des changements de caméra, avec une caméra suivie puis en contre-plongée. Vraiment, j'ai trouvé que c'est hyper bien animé et hyper bien pensé pour faire vivre vraiment l'image à l'écran. Après, si on veut parler de rajout réellement, on a forcément le moment où Gojo et Geto sont en train de se batailler sur leur principe de qu'est-ce que c'est un exorciste. Et justement, c'est pas réellement un rajout, mais un changement d'endroit. Normalement, dans le manga, ils sont à l'intérieur d'une salle de classe. Là, ils sont dans le basket, justement, en train de faire du basket, justement, pour faire vivre un peu la scène, pour apporter du mouvement et tout. Et ça apporte aussi un côté, du coup, un peu vivant à cette scène qui d'habitude à l'intérieur de la classe reste un peu seul terre à terre, puisque c'est forcément ils sont assis à une classe, ils ne bougent pas et puis c'est tout, point barre. La seule incohérence que pourrait rajouter ce rajout, et encore je sais pas si on peut appeler ça une incohérence, c'est juste que quand Gojo va voir du coup, que ce soit dans le film Zero ou à d'autres moments, on va voir du coup la place où il y avait du coup Geto et se souvenir de ce qu'avait dit Geto, à ce moment-là on peut voir que les paroles qui lui disaient les exorcistes sont là pour protéger les faibles, sont pas trop en accord, parce que ça se passe à l'intérieur de la salle de basket dans l'anime. Et tant qu'on est dans les trucs drôles, comme je vous ai dit, il y a toujours du coup ces moments drôles, un peu comme quand Gojo s'est ramené dans l'école pour aller récupérer Rico, qu'il a fait cette bande de fangirl à l'intérieur de l'anime, et même la prof qui essaye de lui refiler son numéro en douce. Franchement, c'est des petits moments drôles, mais qui sont vraiment sympathiques dans un manga et un anime très sérieux comme Jujutsu Kaisen. Enfin, je dis très sérieux, mais il y a des sujets plus sérieux que ça. Mais je veux dire, Jujutsu Kaisen a un ton quand même assez sombre dans la majorité de son œuvre. Et avoir des petits moments drôles comme ça, je trouve ça vraiment sympa dans ma... Comment parler de l'anime sans parler du coup des OST? Les OST sont vraiment cool, avec du piano et un peu un ton... pas un ton du coup mélancolique, pas un ton non plus poussé sérieux, c'est vraiment un ton doux et qui va un peu dans l'ambiance qu'amènent Geto et Gojo, en mode on y va tranquille, en mode ça va, c'est pas trop dur, on se foule pas un peu pour gagner nos combats. Et je trouve que les OST sont vraiment cool. Bon, bien sûr, par contre, on a toujours des OST incroyables à la Jujutsu Kaisen, avec de la batterie et des rythmes assez rapides et qui du coup amènent une ambiance vraiment sympa
sympa et entraînante à l'intérieur des scènes d'action qu'on peut avoir bah, justement quand Geto sorte du coup sauver la personne ou quand ils sont en train de se battre. Et ces moments un peu bah, qui vont assez vite avec de la batterie et même des fois avec de la guitare qui portent un peu côté stressant, comme par exemple quand Geto et Gojo sont en train de se confronter leurs idées pendant qu'ils sont en train de jouer au basket. Franchement, juste après du coup que Gojo se fout de la gueule de Geto, franchement je trouve que ces moments sont cette OST apporte vraiment un surplus et apporte une ambiance assez saine et c'est vraiment incroyable et c'est là où on retrouve vraiment l'ambiance de Jujutsu Kaisen vraiment. Pour ce qui est du nouvel opening, je suis désolé, même si l'opening est cool et sympa, le premier opening Kekkai Ketan est iconique, il sera indétrônable pour moi. Après, peut-être pas, hein, peut-être qu'on aura mieux par la suite, mais pour moi, l'opening 2 ne peut pas battre le premier opening. Mais que dire de plus? Les plans sont bons, les OST sont bons, la fluidité de l'animation est bonne, ça fait vivre vraiment le dessin. Franchement, les tons d'humour sont là avec les tons de sérieux à côté. Et franchement, j'ai pas grand chose à reprocher à ces deux premiers épisodes. Ça annonce du bon pour la suite. J'espère que vous avez eu le même ressenti que moi. Pensez à le mettre dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, mesdames et messieurs, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, c'est Jean!